sur une forte pluie. Anciens et nouveaux joueurs de Dynamo de Douala préparent la prochaine saison sportive en Elite One. Et je suis content de retrouver déjà les coéquipiers et le stade et pour pouvoir commencer la saison prochaine. Le groupe, ici en jaune et noir, constitué majoritairement de nouvelles recrues, a démarré sa mise au vert sur cette aire de jeu sous l'encadrement de Yves Clément Aroga, le nouvel entraîneur du club. La première journée de la mise au vert est ouverte à plus d'une vingtaine de jeunes qui frappent aux portes de Dynamo de Douala. C'est une journée test, n'est-ce pas, pour ces joueurs que nous voulons voir aussi. Bon, déjà, sachant que il y a des joueurs que nous avons ciblés déjà, il y a un bambou qui sont avec le préparateur physique, vous avez vu tout à l'heure, en jaune. Donc, mais maintenant, on cherche encore deux ou trois joueurs pour fermer, n'est-ce pas, notre liste. Après de nombreuses années en deuxième division, le club mythique du peuple Bassa Batimpo envisage de jouer les premiers rôles en Elite One. Dynamo, c'est une équipe qui mérite, qui a du tempérament, qui a de la qualité pour jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et je pense qu'avec le coach et le nouveau staff, et avec l'appui des supporters, on va pouvoir mettre cette équipe où elle mérite. Bon, l'ambition reste la même, c'est rester dans le haut du tableau. Et voilà. Le groupe fixe déjà ses bases en attendant la programmation et le coup d'envoi de la prochaine saison sportive en Elite One.